Bonjour, dans cette séquence, je vais vous montrer comment on peut ajouter des ressources et des activités au niveau de la plateforme Moodle. Mais avant de commencer la présentation, j'aimerais bien simplement vous expliquer la différence entre les deux. Pour l'aspect ou bien pour les espaces de cours Moodle, les ressources, ce sont des éléments qu'on les donne aux apprenants, sans que ces derniers interviennent pour résoudre ou bien pour faire quoi que ce soit. Donc, on n'attend pas des rendus de la part des apprenants. Par contre, pour les activités, ce sont des éléments où on les met à la disposition des participants ou bien des élèves ou bien des étudiants, afin que ces derniers effectuent une activité qui va être par la suite évaluée. Donc, pour ajouter les activités ou bien les ressources, nous allons simplement aller vers l'activation du mode édition. Donc, vous allez ici activer le mode édition. Une fois que le mode édition est activé, vous allez vous déplacer à l'emplacement souhaité et vous avez ici la possibilité d'ajouter une activité ou une ressource. Donc, là, vous avez plusieurs activités qui sont à la disposition de l'enseignant et vous avez aussi plusieurs ressources qui sont à la disposition des enseignants. Donc, on peut commencer par initialement ajouter un fichier. Donc, un fichier, qu'est-ce que c'est? C'est un élément, par exemple, ça pourrait être un cours, ça pourrait être une présentation, ça pourrait être un document de lecture. Donc, une fois qu'on choisit le fichier, je vais appeler le document, par exemple, je vais mentionné en disant par exemple chapitre 1. Par la suite, je vais ramener le document au niveau de l'emplacement du fichier sélectionné. Donc, je peux aller chercher le document ou bien là où il existe. Par exemple, là, c'est le premier chapitre. Je vais essayer de le ramener au niveau du champ de dépôt, en faisant glisser, déposer. Et à ce moment-là, j'aurai mon document qui est apporté au niveau de l'espace souhaité. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer et j'aurai évidemment un document qui s'appelle chapitre 1. Une fois le fichier est déposé au niveau de l'emplacement souhaité, on clique sur enregistrer. On peut avoir donc le document qui va être par la suite visible par les apprenants. Maintenant, je vais vous donner une autre méthode plus simple, mais avant tout, vous voyez que l'emplacement du fichier, il est juste en bas, donc je vais cliquer sur ces flèches et je vais le déplacer au niveau de l'emplacement souhaité, c'est-à-dire sous les ressources. Voilà, donc là, c'est l'emplacement souhaité, donc j'aurai la première ressource, c'est le premier chapitre. Il y a une deuxième méthode qui est plus simple. Je peux facilement glisser, déposer le document au niveau de l'emplacement souhaité directement en faisant, donc, je clique sur le fichier en question et je vais directement le mettre au niveau de la plateforme. Et vite fait, ça va être au niveau de l'emplacement souhaité. Donc, on a deux méthodes, soit que je procède par l'ajout d'une activité ou une ressource, ou bien j'importe directement le fichier sur l'espace de la plateforme. Donc, je peux aussi importer d'autres types de fichiers. Par exemple, je peux importer un document PDF. Donc, la plateforme le permet aussi. Donc, le document PDF, donc ça va prendre encore un peu de temps. Voilà, donc il est là. Donc, vous voyez que la plateforme reconnaît la différence entre les différents types de fichiers. Je peux faire aussi la même chose pour n'importe quel autre document, soit une présentation, un PowerPoint, ou bien un document PDF, ou bien un document Word, un document Excel. Donc, la plateforme accepte n'importe quel type de ressources. Maintenant, nous allons passer à l'ajout des activités. Donc, pour ajouter une activité, nous allons cliquer ici sur Ajouter une activité ou une ressource. Et je vais aller, par exemple, au niveau d'une activité très simple, à savoir les devoirs. Qu'est-ce que c'est un devoir? Un devoir, en fait, c'est un emplacement de dépôt, c'est-à-dire là où les apprenants vont remettre une activité. C'est l'exemple, par exemple, de
de donner des consignes et demander aux élèves ou bien aux étudiants de rendre quelque chose. Donc, je sélectionne le devoir et là, je vais mettre, par exemple, le titre déposé ici. Ici, l'activité 2, par exemple. Au niveau de la description, je vais mettre les consignes de l'activité. Et si j'ai un document qui accompagne l'activité, je peux le mettre au niveau de cet emplacement-là. Par exemple, là, je vais mettre le travail à faire. Je donne les consignes du travail à faire. Et je peux mettre ici l'emplacement, au niveau de cet emplacement, la série en question. Là, je peux paramétrer quand est-ce que les activités doivent être déposées. Donc, si je vais exiger un temps ou bien un délai, je vais dire, par exemple, que cette activité doit être rendue le 29 mars à 23h, par exemple, 55. Je peux paramétrer ça. Aucune activité ne peut être acceptée au-delà de cette date. Évidemment, vous avez la possibilité de choisir soit un remise du fichier, c'est-à-dire un document qui va être déposé par les étudiants, ou bien un texte à lire, ou bien les deux. C'est en fonction de vos besoins et en fonction de vos souhaits. Le nombre de maximal de fichiers, donc je peux aussi le paramétrer. Je peux paramétrer la note. Donc là, par défaut, la plateforme vous donne une note sur 20, mais vous pouvez évidemment varier cette note. Évidemment, il y a plusieurs éléments et paramétrages, mais ces paramétrages que j'ai démontrés, ce sont les paramétrages nécessaires et vous pouvez évidemment intervenir au niveau des commentaires de cette vidéo pour demander des éclaircissements sur les autres paramétrages. Je pourrai facilement vous dire ou bien vous répondre en fonction évidemment de vos questions. Voilà, donc si on a terminé, je vais enregistrer et je vais revenir au cours. Donc vous voyez là, donc je vais revenir carrément au cours. Donc voici l'activité que j'ai déposée. Donc je vais la mettre ici, je vais la glisser au niveau de l'activité et j'aurai l'activité 2. Voilà, cette vidéo est achevée. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.